Je suis complètement choqué de ce que j'ai trouvé dans les poubelles juste en face de chez moi. Regardez dans cette boîte de chaussures. Je décide de me rapprocher de cette boîte et là je vois des yeux comme ça tout mignons. Alors j'ouvre la boîte et là je vois ça. Je me dis non quand même, c'est incroyable. Il y a quand même des gens qui abandonnent des chats comme ça dans les poubelles. Ça faisait plus de 3 heures que j'entendais des miaulements. Je me demandais d'où ça venait. Je vais te ramener chez le vétérinaire. C'est pas normal, t'as ni à manger ni à boire. Je laisse la boîte ici, je vais le ramener chez le vétérinaire. Bon, je vais le ramener chez le vétérinaire. C'est pas normal de le laisser tout seul comme ça, le pauvre. Il est trop beau, il est magnifique. Je peux pas le garder avec lui. Bon, je le fais grimper dans la voiture du travail pour le ramener chez le vétérinaire. Bon, allez, petit. Hop là. Je te mets la ceinture. Il va te régaler ici. Bon, allez, je vais te ramener. Bon, verdict, c'est un chaton mâle à peu près de 3 mois, il m'a dit le vétérinaire. Du coup, ce que je décide de faire, c'est de le garder pour le moment. Je vais voir si ça entend bien avec Nino et si jamais je donnerai un abonné.